fait pour valider le championnat du monde. Pour cela, compte tenu des incertitudes de tout qui pèsent maintenant, on va chambouler le programme. Pour nous retrouver les 5 quarts de l'exploit, nous allons passer à une nouvelle manche de championnat du monde. Avec Théo Piper là-bas, avec Spicer, avec Milanese, avec Mathias Roger. Évidemment, mais malheureusement, je crois qu'il a, percuté involontairement Milanese. La machine s'est littéralement cabrée. Mathias Roger éliminé. Il n'y a pas de gravité, hein, mais la machine est bien chiffonnée quand même. Milanese a été percuté par le. La machine s'est levée, hein, c'est un wheeling non contrôlé, trop d'adhérence. Et Roger. Alors, on va regarder Thierry. Roger. Out, ok. Roger, out. Merci Thierry. Mais c'est un pilote généreux, Mathias Roger. Et le public de Marmande aime les pilotes généreux. Alors, on va évidemment, si vous le voulez bien, le saluer, l'applaudir, le remercier. Parce que c'est un homme qui fait le spectacle, Mathias. Il est vraiment désolé, il est déçu, mais. Ah, quand il vous dit qu'il est généreux, il est. Hein. Vous allez voir se présenter Mathieu Trésarieux. Allez, Mathieu le numéro 17. À Marmande, au championnat du monde. Mathieu Trésarieux. 3 points pour Richard Spitzer. 3 points pour Richard Spitzer. 2 points. 2 points pour Stéphane Kat. 2 points pour Stéphane Kat. 1 point pour Alessandro Milanese. 1 point pour l'Italien Milanese. Voilà. 1 point également pour Milanese. Et nous en sommes maintenant à la 8e manche. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que dans moins de 5 minutes, eh bien le championnat du monde sera validé, car il faut aller au terme des 9 manches de championnat du monde pour que celui-ci soit validé. Nous attaquons la...
la 8e manche avec Glenn Phillips, le numéro 2. On va retrouver également Philippe Postin en UEFA Player TV.
qui n'attend plus. Petit tout point. Pierre Lys, 5 points. 5 points. Pour le French, Trésarieux, 4 points. 4 points pour Stéphane Trésarieux. Paul Cooper, 3 points. Paul Cooper, 3 points. Kim Nakampi, 2 points. 2 points. Et Richard Vaux, 1 point. 1 point. Et malheureusement, pas de points pour Schneiderwind. Mesdames et messieurs, accueillez tout particulièrement
les autres concurrents vont rejoindre le point d'arrivée. Alors nous allons donc nous diriger vers 5 points pour Marc Stikema. 5 points Stikema. 4 points Rob Finlow. 4 points pour Rob Finlow. 3 points pour Maxime Mazo. 3 points pour Mazo. 2 points Pizzinato. 2 points pour Pizzinato. Et 1 point pour personne, puisque les pilotes ne sont pas arrivés jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc on se contentera de ce classement-là. Leur nom ne figurera pas pour le moment, en tout cas, vous le voyez d'ailleurs sur l'écran de contrôle. Allez, small comes the water. Deep purple, ça ne rajoute pas tout ça. Allez, belle arme. En position également. Oh.
deuxième manche sur Ultra PS3. Encore une fois, vous savez, le programme a été complètement changé. Obligé de totalement réorganiser le déroulement du programme. Alors, on attend Ramon Stanek, me semble-t-il, parce que il s'est bien normal, on peut lui laisser quelques secondes de plus. Cette course n'étant pas a priori programmée maintenant, Ramon Stanek n'a pas eu le temps nécessaire. Alors, on patiente ensemble dans ce trophée d'avance populaire. Ici, d'ici. Allez, on joue, on roule, on n'attend pas Stanek a priori. Voilà, la manche est en train avec 5 pilotes. Ok, en place. On respecte bientôt le numéro 10, parfaitement placé. Maxime Mazot. Alors il est évidemment totalement étranger à ce qui s'est passé, vous l'avez sans doute vu, puisque juste devant lui, Di Palma a chuté, la machine de Di Palma a rebondi dans la protection extérieure, et en revenant sur la piste, eh bien, Charlie Sanders n'a pu les buter, il a fait une cabriole d'une vingtaine de mètres, écoutez, 5 ça, to all the Brits fans. Oui, absolument. Alors, regardez bien le tableau qui est là-bas.
Charlie Saunders, il est passé à plat ventre, mais il est passé quand même, donc il marque 4 points. Voilà, une très très belle performance sur la machine, il faut quand même le faire. Et ça compte quand même, et je rappelle, 5 points. Alors Saunders, 4 points. Mazo, 5 points. 5 points for the French Mazo. 3 points for Van der Steen. 3 points pour Van der Steen. 2 points pour Boris Pizzinato. Et enfin, rien du tout, puisque Théo Di Palma a abandonné juste avant la ligne. Allez, nous sommes de retour avec les pilotes de cette catégorie espoir. Voici la sixième manche espoir. Ça, ça mérite des applaudissements parce qu'il a été absolument énorme. Marc Stiekema, le numéro 4, vainqueur, 5 points. 4 points, Lewis Dunham, 4 points, Lewis Dunham. Avec le dessin numéro 11, pour Rob Pinlon, 3 points, 3 points. Pour le numéro 9, Shane Colwin, 2 points, 2 points. Et on retrouve un point pour Gabriel Dubernard, pour le French Gabriel Dubernard, one point. Mathieu Trésarieux, alors excusez-nous, mais là on vit la course en beau, on s'adapte. Voici les nouvelles manches au championnat du monde, la 10e. Alors,
sérieux avec Milanese, avec Yannick Leblanc qui sont en train d'agréer, avec Richard Hall, le numéro 9, avec également Mathias Kroger, le numéro 6, Lesnas, Jérôme Lesnas, le numéro 18. Allez, les résultats tout de suite. Avec 5 points, Mathias Kroger. 5 points, Mathias Kroger. Alessandro Milanese, lui, ne marquera qu'un point, on y reviendra. On va passer à 4 points pour Richard Hall. Richard Hall, 4 points. 3 points, Yannick De Jong. 3 points pour Yannick De Jong. Mathieu Trésarieux, 2 points. 2 points pour Trésarieux. And 1 point pour Alessandro Milanese. 1 point pour Milanese. Avec vos applaudissements, bien sûr. Et pendant ce temps-là, vous l'avez compris, on va en profiter pour vous proposer quelques invités. Elles sont venues tout spécialement de Barcelone. C'est la première fois qu'elles évoluent ici. Elles dansent pour le football club de Barcelone. Ce sont les pom-pom de Thierry Henry, de Lionel Messi et des autres. Alors, vous les voulez ou pas? Alors, allez, allez, allez.
Yeah! Alors? Encore? I don't hear you, on entend pas. Qu'est-ce qui se passe ahora? Arrête ou quoi? Oh! Et alors? Oh, j'entends rien, alors? On continue ou pas? Allez, encore, allez, on commence. Mesdames et messieurs, en France, pour la première fois, c'est dommage, elles étaient venues, peut-être par ici, ce serait pas mal, non? Ça vous dirait là ou pas? J'entends rien. On va garder la même, on va refaire la même. Vous avez vu quelque chose? Vous avez rien vu, là, vous étiez loin, non? Vous les avez pas vu danser, hein? Qui les a pas vu danser? Ah ben oui, ben vous avez rien vu. Bon, c'est même. Alors attention, écoutez, on va faire le compte à rebours, mais on va le faire en espagnol, hein, évidemment. Hein. Alors, 5, 4, 1, allez. On pourrait peut-être voir s'il y a des spectateurs, s'il y a des hommes, s'il y a...
il y a des vrais, il y a des connaisseurs. Elles sont venues spécialement pour vous, nous font. Regardez bien, mesdames et messieurs, j'entends rien. Alors, les filles, viens là. Regardez bien, pour la première fois, c'est la première fois, qu'elles viennent sur du sport mécanique en France. Et vous allez leur montrer qu'à Marmande, on n'a pas besoin d'être 80 000 comme au Cornou de Barcelone. Non, on va faire autant de bruit ici, autant... Ah non, les vélos ici qu'à Barcelone, mon garçon, là, ce sont les pom-pom du football club de Barcelone, mon petit gars. Ce sont les danseuses de Lionel Messi, ce sont les danseuses de Thierry Henry. Alors, vous allez leur montrer, viens là, vous allez leur montrer comment on peut montrer comme ça une petite hola, rien que pour les filles venues de Barcelone pour vous ce soir, ok? Vous allez leur montrer qu'on sait accueillir ici, on sait accueillir en France, on a le temps encore, on est en Paris. Alors, on va partir de ce côté-là, ok? Et on va tourner tout autour. Alors attention, je compte sur vous. 3, 2, 1, come on! Chez nous et elles ont choisi Marmande. Voilà les garçons, c'est un petit cadeau. À tout à l'heure. Attention à celui-là, Tire Fabrique. On n'a pas encore vu tout à fait à la hauteur ce soir, mais il faudra compter avec lui pour la finale tout à l'heure. Yann Félix dans le top 5 mondial cette année. Béatrice, cette fois champion du monde, qui est là. Regardez-le. Un tout petit peu décevant, il y a une mention.
dernière position, me semble-t-il, de ce peloton. Et puis Wolf qui marquera un petit point. Un petit point pour Wolf. Alors, on va regarder dans quelques instants la confirmation de notre officiel au classement. Wolf un point. One point for Wolf. Two points for Glenn Phillips. Deux points pour Glenn Phillips. Trois pour Paul Cooper. Paul Cooper, three points. 4 points pour Dirk Fabric, 4 points pour Fabric, and 5 points for the winner, 5 points pour Gadris. Et mesdames et messieurs, le retour de Stéphane Trésarieux, le numéro 7. Alors, Stéphane, je peux vous dire que là, il est de mieux en mieux, il est chez lui, il est bien. Il a une trajectoire quasiment idéale. Ah, il aurait préféré sans doute un petit peu plus l'extérieur. Stéphane 4 qui arrive à son tour. Everwind, Theo Piper.
Stéphane Trésarieux qui est salué par le public de ma bande. Allez! Ah, quelle ovation encore! Quelle ovation encore! Ah, il a fait un bon bout de chemin vers la demi-finale, Stéphane. Et on vous rappelle que tous les points comptent, évidemment, comme nous l'avons expliqué en début de soirée. Les points des demi-finales viendront s'ajouter au classement provisoire. Tout cela ne permettra pas forcément d'annoncer systématiquement le vainqueur au point de la soirée, mais nous connaîtrons bien sûr le vainqueur de la finale qui ne sera pas forcément le vainqueur au point de la soirée. Il faudra patienter pour cela quelques minutes tout à l'heure. 5 points, 5 points, Stéphane Trésarieux. 4 points, 4 points, Richard Spicer. 3 points, 3 points, Jonas Kilmacorpi. 2 points, 2 points, Stu Piper. Et 1 point, 1 point, Richard. Stéphane 4. Alors, on va maintenant retrouver les concurrents du 5 quart pour leur dernière apparition avant la conclusion de cette soirée. On va bien sûr retrouver l'équipe mixte.
des photos magnifiques évidemment. Alors, on retrouve tout de suite. Salut les supporters, merci de féliciter les cyclistes. Passablement chamboulé, donc on va essayer de se remettre un peu en direct. Voilà, Jean-Noël Barès, le président du club qui revient vers nous. On va sans doute maintenant obtenir des informations de la part de la direction de course. Je vois Nicolas qui revient. Bouleversement dans le programme évidemment. On va vous proposer 5 minutes d'entracte. Hein, 5 petites minutes d'entracte pour qu'on fasse tous les calculs des demi-finales. Voilà, puisque ça a été, vous l'avez compris, passablement bouleversé. Donc on va s'organiser. On salue effectivement l'arrivée d'Eva et on va en profiter pendant 5 minutes pour vous offrir un petit entracte pour aller vous rafraîchir, pour aller faire une petite mais moi je vous laisse à tout à l'heure et puis évidemment dans 5 petites minutes. Encore une fois, je sais que ça va être un triomphe. Deuxième position de cette épreuve de championnat du monde. Stéphane Trésarieux. Et le vainqueur, cette fois, champion du monde à nos côtés, Gerd Ruys. On va remettre les trophées, les plaques. On va demander à Monsieur Witkowski de venir nous rejoindre. Jean-Pierre Bougin. L'un et l'autre, vice-président de la Fédération Internationale, Jacques Boll, le président de la Fédération Française de Motocyclisme. Monsieur. Voilà, troisième position récompensée par le président de la Fédération Française. Mesdames et messieurs, vos applaudissements. Jacques Boll qui récompense Dirk Fabric. On remettra le prix du vainqueur. Jean-Pierre Bougin, vice-président de la Fédération de sport. Stéphane Trésarieux. Et bien évidemment, à tout seigneur, tout honneur, c'est M. Witkowski qui récompense le vainqueur, Gerd Ruys. Et mesdames et messieurs, National Anthem, nous allons maintenant écouter l'hymne national du vainqueur.
Mesdames et messieurs, ça se termine malheureusement pas comme vous l'aurez souhaité, personne ne l'a souhaité. En tout cas, vous avez été à la hauteur, vous êtes encore très nombreux. Merci, merci à vous, vous êtes un public exceptionnel. Merci, à très très bientôt. Thank you, girl. Merci et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Hi, welcome to all the fans in Marmande for the greatest events we have in France for the Grass Track World Championship. Yeah, Marmande is always very hard meeting. Is every rider is going 150%, not 100%. Le Dauphin, regarde, eh bien les voilà, ce sont les pop-pop du Stade de Barcelone qui ont choisi Marmande pour l'ouverture de la soirée. Yeah!
Elle est debout, elle est heureuse, elle est félicitée par ses adversaires. Bravo à cette super Wonder Woman. Et le vainqueur, cette fois, champion du monde à nos côtés, Gerd Ries. Stéphane Trésorieux. Et bien évidemment, à tout seigneur, tout honneur, Zeus Kulikovski qui récompense le vainqueur, Gerd Ries. Et mesdames et messieurs, National Anthem, nous allons maintenant écouter l'hymne national du vainqueur. Mesdames et messieurs, ça se termine malheureusement pas comme vous l'aurez souhaité, personne ne l'a souhaité. En tout cas, vous avez été à la hauteur, vous êtes encore très nombreux. Merci, merci à vous, vous êtes un public.